Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, je vais vous transmettre les messages pour ce week-end. Bien sûr, c'est du général, je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter. On va le découvrir ensemble. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour votre soutien, pour tout, pour tout, pour tout. J'espère que vous vous portez bien. Alors, on va voir. Je vais prendre déjà un message d'amour de Jésus et on va voir le message qui vous accompagne durant ce samedi et ce dimanche pour votre week-end. On vous dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc cherchez peut-être en premier en fait le royaume et la justice de Dieu. Son royaume, sa justice. Et on vous dit que toutes ces choses, en fait la justice et aussi le royaume de Dieu, en fait toutes ces choses vous seront données par-dessus. Très joli message. On va prendre un petit message avec l'oracle au quotidien. Et je vais vous transmettre un message pour ce week-end. Et après, j'ai canalisé deux messages que je vais vous transmettre. Ce sera les messages pour le week-end. Alors, attendez. Alors, on vous dit que vous devez faire une bonne action. Alors, faites un geste louable. Attendez, je la mets sur le côté pour la lire, hein. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence. Donc, il y a peut-être une personne près de vous, qui a besoin de votre présence. Mais ça peut être de votre présence, mais aussi de vos connaissances. On vous dit d'être spontané et de ne pas vous questionner, en fait. Vous allez accomplir une belle action. On vous dit qu'aussi votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. On vous dit aussi de tendre la main durant ce week-end à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité aussi peut-être bénévole. Peut-être que vous y songez depuis un certain moment. Et on vous dit que là, pour moi, vous allez y réfléchir encore plus. Et ça pourrait peut-être mettre des choses en place semaine prochaine liées à une activité bénévole. On vous dit aussi d'offrir votre temps, de l'argent ou alors des conseils. Voilà. On va prendre un petit message de vos anges et on va voir l'ange qui vous accompagne durant ce samedi et ce dimanche. Alors, c'est l'ange Oméga et on vous dit victoire. Donc, durant ce week-end, vous allez avoir une victoire. Il y a des désirs. Il y a des désirs qui vont bientôt devenir des réalités. Ça peut être ce week-end. On vous dit de continuer comme ça. Tous les efforts que vous fournissez, votre force, votre courage, votre foi, votre détermination aussi, on vous dit de continuer comme ça. Il y a l'ange Oméga qui est auprès de vous durant ce week-end et vous pouvez faire appel à lui aussi, hein. Et il y a l'ange Shanti qui vous parle aussi. C'est l'ange en fait de la paix qui est auprès de vous, hein. Cet ange, l'ange Shanti, vous apporte une nouvelle tranquillité. Donc là, durant ce week-end, vous pourriez avoir dans votre vie une nouvelle tranquillité. Et l'ange Shanti va effacer les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Donc là, il y a un effacement durant ce week-end des obstacles de la route qui s'offrent à vous avec l'ange Shanti. Alors, c'est peut-être lié à des demandes que vous avez faites, peut-être pour effacer des obstacles qui sont sur votre route, votre route, et que ça s'ouvre à vous, qu'il n'y ait plus d'obstacles en fait, pour que vous puissiez avoir une nouvelle tranquillité, une paix, une harmonie, un certain équilibre. Vous avez peut-être demandé d'avoir la paix, tout simplement la paix. C'est peut-être un désir d'avoir la paix, la tranquillité dans votre vie. Peut-être que vous avez fait la demande à la nouvelle lune. Et là, en tout cas, bah, durant ce week-end, hein, on vous dit de déjà d'être dans ces énergies-là, dans votre tête. Il y a une nouvelle tranquillité qui arrive. Et il y a beaucoup d'obstacles sur votre route qui vont en fait, ça va se retirer et ça va s'ouvrir à vous. Votre route va être libérée. Et vous allez toucher la tranquillité, la paix aussi et l'harmonie.
Peut-être après beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, de stress, d'anxiété. Voilà, il y a la paix qui arrive, hein, et la tranquillité. De peur aussi, peut-être. De frayeur aussi. Beaucoup de choses. Enfin, bref, ça n'a pas été simple. Ce que je ressens. Alors, on y va. Waouh! Attendez. Ouh là là! Il n'y a rien qui est cassé. C'est bon, tout le monde est là. Attendez. Hop là! Voilà, c'est bon. Allez, maintenant, je vais vous transmettre donc un message. Alors, je vous le montre. Hein. Il est là. que j'ai pris pour vous. Donc, c'est le message pour le week-end. Alors, on me parle d'une personne. Une personne qui va pour moi accueillir très prochainement une très belle bénédiction. Alors, mais tout ça, en fait, ces très belles bénédictions, c'est surtout, pour moi, vous avez, ça après des cycles très lourds et très chargés, en fait. Chargés, surchargés. Et en fait, je vois aussi que vous venez peut-être de, vous êtes en cours, en train de finir un cycle en fait des plus durs. Hein. C'est une fin de cycle des plus durs pour une personne. On me parle d'une renaissance. Il y a une renaissance qui arrive à vous, une liberté que vous allez retrouver durant ce week-end et de l'harmonie, bah, un peu comme tout à l'heure, hein, le message de tout à l'heure. Donc tout est bien relié, c'est super. Et d'harmonie qui va s'installer très vite. Donc durant ce week-end, ça peut déjà commencer. Et aussi, on me parle que vous allez continuer pour moi un projet de cœur. On a une bougie en main. Alors ça, c'était pour le premier message pour ce week-end. Et le deuxième, on me parle d'une personne qui peut être entourée d'une personne. Dans l'impulsivité. Donc autour de vous, vous pouvez avoir une personne qui est dans l'impulsivité. Donc ça peut être professionnel, sentimental, relationnel. Bon, ça peut être un peu dans tous les domaines. Hein. On me parle qu'en fait, l'impulsivité va s'atténuer. C'est un peu comme l'ange chantier hein, qui va vous retirer des obstacles en fait. Et là, je vois un obstacle. Un obstacle qui va se retirer, c'est peut-être l'impulsivité en fait d'une personne. Et peut-être que ça, en fait, ça va laisser place, en fait, à la possibilité de pouvoir aller au bout d'une volonté, de votre volonté. Et pour aller au bout d'une volonté, pour ensuite, on me parle. Peut-être pour pouvoir effectuer une procédure. Et pour moi, en fait, vous irez en direction de vos rêves. Avec une personne dont vous êtes très très amoureux ou amoureuse. Voilà. Voilà le message que je devais vous transmettre. Bien. Et je vais prendre ce magnifique oracle et je vais vous transmettre un petit message avec celui-ci en plus. Pour votre week-end et on va voir un petit peu ce que je peux avoir. Alors, non, je vais prendre celui-ci et je vais compléter avec l'oracle reflet de vie. Alors, on va voir le petit message à transmettre, s'il vous plaît, pour le week-end. Alors, ici, on peut avoir peut-être une perte de plaisir, d'envie, de réjouissement. On peut être en panne sèche. Ou alors on peut être peut-être. Je peux avoir une personne peut-être qui a peur. Qui a peur peut-être d'atteindre un certain rêve, un certain plaisir, un certain bonheur, peut-être un certain amour. On a peur, hein, mais on a des rêves. Hein. On a peur en fait que ça soit un échec. Qu'on vive un échec. Une personne a peur qu'on vive un échec. Mais je vois en fait un retour qui va vous porter une victoire sur des rêves,
sur pour moi c'est passager en fait là. Tout ce que vous pouvez ressentir en fait c'est passager. Peut-être que par le passé vous avez eu avec un homme, alors soit deux hommes, hein, soit c'est vous cet homme, soit c'est un homme et une femme et un homme. Bon, vous faites à votre sauce, hein. Je vois en fait peut-être que vous avez eu des discussions par le passé où ça a été un échec, peut-être que ça a été très dur, peut-être que vous n'êtes pas compris, peut-être vous avez soit l'un, soit l'autre, soit les deux, vous avez été très ferme lors de discussions et ça a produit un certain échec. Mais je vois un retour en fait, un retour à la discussion après des échecs qui sont passés dans le passé. Et en fait, ce retour va apporter une victoire. Je vois une victoire, des discussions qui vont très bien se passer. Et je vois une victoire en fait, après vous allez partir pour moi en direction de vos rêves. Et ça va faire circuler en fait plein d'émotions fortes, du plaisir, de la passion, de l'envie d'aller de l'avant. C'est peut-être ça en fait là qui vous fait perdre en fait la peur, les frayeurs, le manque de plaisir, le manque d'envie. En fait, c'est peut-être que ça se repasse en fait comme la fois d'avant, en fait, des discussions qui repartent sur un échec, mais je vois que ça va pas repartir en un échec. On me parle aussi peut-être d'un gain d'argent qui va arriver à vous, qui va produire un effet, une victoire, après un échec lié à votre passé, sur un plan financier. Il y a une rentrée d'argent qui arrive à vous. Il y a un gain d'argent qui arrive à vous. Je vois une famille victorieuse qui va aller en direction de ses rêves, peut-être avec vous. Et je vois une arrivée d'argent aussi. Je vois une arrivée d'argent et ça va faire aussi parce que peut-être que vous avez un certain déséquilibre dans vos finances et peut-être que ça vous abat aussi pas mal, hein. Et ça va être sur un temps limité. L'arrivée d'argent, les discussions, la victoire, ça va être sur un temps limité et la victoire pour une famille, ça va être sur un temps limité aussi. Et je vois une famille. Alors c'est peut-être votre famille à vous ou votre famille, voilà, votre famille. Votre propre famille ou la famille, votre famille, voilà, vos parents, vos oncles, vos tantes. En fait, je vois une famille en fait qui va être victorieuse et qui va atteindre ses rêves. Ce dont vous désirez, vos rêves. Je vois une famille aussi peut-être par le passé qui ont peut-être eu des discussions, des paroles en fait qui sont été mises en échec, mais ça va repartir au beau fixe. Hein. Pour moi, ça va repartir au beau fixe. Ça va repartir au beau fixe. Et je vois un retour, hein, un retour victorieux, des discussions, un retour victorieux, et après vous allez partir en direction de vos rêves. Une somme d'argent qui arrive après un gros échec pour une famille aussi, pour vous et peut-être pour votre famille ou comme je dis parents, grands-parents, voilà. Après, vous avez un très très bel épanouissement qui arrive, hein, très vite. Ouais, très bel épanouissement, vous allez renaître, hein. Je vois une famille aussi renaître dans la victoire, non. Sur un chemin de rêve, hein, peut-être des rêves non accomplis, peut-être vous aussi, vous n'avez jamais atteint vos rêves. Y a beaucoup de choses qui sont en préparation pour vous, c'est en cours. Peut-être faire un temps mort, un temps limité, vous reposer. Il y a des choses qui sont en cours. Je vois une très belle renaissance en hiver. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous transmettre. Hein. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!